1 Samuel, chapitre 12. Samuel dit à tout Israël : Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et maintenant, voici le roi qui marchera devant vous. Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête, depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Me voici, rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? De qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Ils répondirent, « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Il leur dit encore, « L'Éternel est témoin contre vous, et son oint est témoin, en ce jour, que vous n'avez rien trouvé dans mes mains. » Et ils répondirent, « Ils en sont témoins. » Alors Samuel dit au peuple, « C'est l'Éternel qui a établi Moïse et Aaron, et qui a fait monter vos pères du pays d'Égypte. Maintenant, présentez-vous, et je vous jugerai devant l'Éternel sur tous les bienfaits que l'Éternel vous a accordés, à vous et à vos pères. » Après que Jacob fut venu en Égypte, vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel envoya Moïse et Aaron, qui firent sortir vos pères d'Égypte et les firent habiter dans ce lieu. Mais ils oublièrent l'Éternel, leur Dieu, et il les vendit entre les mains de Sisra, chef de l'armée de Hatsor, entre les mains des Philistins et entre les mains du roi de Moab, qui leur firent la guerre. Ils crièrent encore à l'Éternel et dirent, « Nous avons péché, car nous avons abandonné l'Éternel, et nous avons servi les Baals et les Astartés. Délivre-nous maintenant de la main de nos ennemis, et nous te servirons. » Et l'Éternel envoya Jérubbaal, Bédan, Jephté et Samuel, et il vous délivra de la main de vos ennemis qui vous entouraient, et vous demeura en sécurité. Puis, voyant que Nakash, roi des fils d'Ammon, marchait contre vous, vous m'avez dit, « Non, mais un roi règnera sur nous. » Et cependant l'Éternel, votre Dieu, était votre roi. Voici donc le roi que vous avez choisi, que vous avez demandé. Voici, l'Éternel a mis sur vous un roi. Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Mais si vous n'obéissez pas à la voix de l'Éternel, et si vous êtes rebelle à la parole de l'Éternel, la main de l'Éternel sera contre vous, comme elle a été contre vos pères. Attendez encore ici, et voyez le prodige que l'Éternel va opérer sous vos yeux. Ne sommes-nous pas à la moisson des blés? J'invoquerai l'Éternel, et il enverra du tonnerre et de la pluie. Sachez alors et voyez combien vous avez eu tort aux yeux de l'Éternel de demander pour vous un roi. » Samuel invoqua l'Éternel, et l'Éternel envoya ce même jour du tonnerre et de la pluie. Tout le peuple eut une grande crainte de l'Éternel et de Samuel. Et tout le peuple dit à Samuel, « Prie l'Éternel, ton Dieu, pour tes serviteurs, afin que nous ne mourions pas, car nous avons ajouté à tous nos péchés le tort de demander pour nous un roi. » Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous iriez après des choses de néant qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Mais si vous faites le mal, vous périrez, vous et votre roi. »